Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Metamorphosis, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! J'ai pas le temps de parler au patron. Ben, c'est un esti de patron. Ah, bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je n'ai pas vu la pancarte. Je m'appelle Grégor, je cherche un certificat. Quel certificat? Je me rends à Chitawa. Ah, je vois. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. Ce n'est pas ici que les certificats sont émis, si bien sûr. Mais le mécanisme est en panne. On ne peut pas émettre de certificat. Ce n'est pas le travail d'un avocat. Parce que vous croyez qu'il peut produire un tel certificat tout seul? Oh non, 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 non. La machine fait tout pour lui, enfin, quand elle fonctionne. Et elle est en panne. Si j'arrivais à réparer le mécanisme, je vous donnerai un certificat tout nouveau. Quoi, tu vas la réparer là? Avoue que je suis intelligent là.
Coucher. Ouais, la machine, je comprends pas. Vous avez réparé le mécanisme. Excellent. Vous avez identifié le problème? Toujours capote, vous avez tout essayé? Vous avez réparé. Ok, faut que je parle de quoi? Bah. Parles-tu, toi? Le mécano noir, tout juste ce dernier, il donne un ou deux tours, il croit que le tour est joué, ou alors il tourne et tourne jusqu'à ce que ça brûle. La machine doit conserver son inertie. C'est ma sixième rotation d'affilée, j'ai oublié mon nom. Consommer tout le liquide. Marche pas. Je sais pas c'est quoi. It's another lonesome cowboy. That's a long, long way from home.
C'est un prétexte. Je préfère m'en sortir jusqu'à. Je vois très bien, vous le trouverez au centre. Bon courage, de rien! Wouhou! What do we have here? Oh, a certificate. Yeah. For trial. Formidable. Maintenant, il faut que je découvre où il a mis sauf que. Can I see it? No, don't worry. But your desk, it's working. Don't get so excited, Mr. K. Please, keep your composure. Mm-hmm. Now, let me see. Attendez, vous avez vu l'avocat qui a mis ce papier? Quel papier? En tout cas, il vient de sortir. Oui, il doit être quelque part sous la table. Vous sauriez me dire où? Je suis dans la table, monsieur. Comment pouvez-vous que je sache ce qui se passe dessus? Savoir, il faudrait que je sorte. Il faut sortir, il faudrait que je me mette un collet que je déteste m'en coller. Haste and action could bring more harm than good. You'll have to excuse me, but I cannot just sit and wait. Patience is a virtue, Mr. K. A virtue much appreciated by the judicial system. I suggest you go back to your everyday tasks at the bank. That is where you work, no? How can one just continue a normal everyday life knowing that he is accused? That he is under suspicion? You will be surprised to discover how easy it is to get used to such a situation. After a certain moment, you won't even notice the ongoing trial. Great. But at least you can tell me when my hearing is, right? Not really. Le jeu a comme plusieurs possibilités, selon moi. It is. But as your counsel, I can't really tell you. Mr. Hold, I would like to discuss my defense with you, but I don't even know the charges. That is not important. What is important is to submit the first set of documents to the court. The first set? What are they? The defense doesn't have access to court records, especially not to the indictment. That means we, generally, don't know, or at least not precisely, what the first documents need to be about. Anyway, usually the first submitted documents are mislaid or lost. Les têtes de Français, ça. If they do keep them right to the end, rumor says they are hardly ever read. This is all very regrettable. L'ami, vous pouvez aider à quand générer dans le besoin, quel est le problème? Je me fais la peine 4 couronnes par mois et pas moins de gagner pendant sa vie ailleurs qu'à Tower et là-dessus, le divorce de la pension. Je suis dans la panade. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trompé votre femme? Trompé? C'est dur comme. Ce n'est pas ma faute, on m'a séduit. Elle est descendue au ciel, parfumée, portée par ses adiaphanes. Or, elle était en pleine période fertile, voyez-vous? Et je n'ai pas trop envie d'en savoir plus. Ça ne regarde pas. Tenez-moi, l'ami. Non, je suis allé, il n'y a pas de dossier de divorce dans le bureau. Qu'est-ce que vous dites? Alors, quoi? Qu'est-ce que je ne sais pas. Je suis l'avocat. L'avocat a posé quelque chose près du tampon. That's where the real value of taking counsel lies. Contacts with higher officials, or with higher officials, but with lower grades. That is the only way to influence the progress of the trial. Hardly noticeable at first, it's true. But as it progresses, it becomes more and more visible. C'est un sexe symbole, mais fais attention. Not many lawyers who can do this. So you have made a good choice by coming to me. Do you already have some paperwork? The law is tireless, and so are we, the defense.
It should come to no surprise to you that we have an extensive network for relevant information. Your case is a very interesting one. Indeed, things like this don't calm. These stamps. Oh, the certificate. Did I stamp it already? Anyway, it's official now. I'll put it with your documents. Le suivre. I don't quite remember why it was needed. Documents? What documents? Mr. Hold, I'm withdrawing your representation in my case, with immediate effect. Do I understand you right? I think you do. Well, we can certainly discuss this plan of yours. It's not a plan anymore. We still mustn't rush anything. Nothing is being rushed. Everything has been thought through, probably for too long. The decision is final. Then allow me to say a few words. You are running the risk of catching a cold for no reason. Oh, yes. The circumstances are important enough, and you've become impatient. I am not impatient. It is just that I came to you, hoping that this case would become less of a burden for me. Well, quite the opposite is happening. If you would represent me, I will end up worrying about the case much more. I will always, without ceasing, be waiting for you to do something. It will grow more and more tense. As for the information about the trial itself, you won't even tell me when it will occur. And I am left guessing that it's getting closer and closer. After a certain point in the proceedings, nothing new of any importance ever happens. So many litigants at the same stage in their trials have stood before me just like you are now and spoken in the same way. Then all these other litigants have been right, just as I am. I wasn't trying to show that you were mistaken. But I expected better judgment from you than from the others. I've given you more insight into the workings of the court and my own activities than I normally do. But despite that, you have too little trust in me. You're not making it easier for me. You see, I have the impression that you have not only misjudged the legal assistance I have given you, but also that you believe that you are being handled with apparent neglect. Even that has its reason. It is often better to be in chains than to be free. Mr. Hull, what will you undertake on my behalf if you continue to represent me? I should continue with what I've already been doing for you. And that's just what I thought. You don't need to say another word. C'est handicapé, ce mec. J'ai fait ça tantôt. J'ai fait tantôt. Ah oui. Oh. Il y a de la colle. Non, il n'y a pas de colle. Je pense qu'il y avait de la colle.
Tantôt, j'ai pas couru assez vite. J'avais couru pas. Ok, reculant là, puis observant. Quelque chose là. Ah, il y a de la colle là. La petite bande. Non, je l'ai. Il vaut souvent mieux être enchaîné que libre. Excusez-moi. Non? Beaucoup trop de bruit, où sommes-nous? Dans un lieu de culte. Pour ce vieux vous taire. J'entends le sang. Bon, très bien. Je cherche un certificat que vous savez si je peux le trouver ici. Oui, ici, vous trouverez votre certificat. Non, je ne sais pas où. À présent, monsieur, veuillez faire silence. J'essaie de me concentrer. J'ai oublié de traduire ce bout-là. Accès à ta rue, excuse-moi, sous présentation d'un sort fiscal. Putain, de chaque. Ta-da-da-t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 a-da-
Comment faire pour trouver? J'avoue! Comment l'air d'être traité ici? Demande où ils finissent. La passe de sous crétin. Exprès de exister. Les candidats sélectionnés au filtrage seront invités dans son colis. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Ah, je comprends. Ah, yes, ok, je l'ai. Bon, où est-ce que je vais? La. Tous ces papiers finissent dans la fournaise. Non! Tous ces papiers finissent dans la fournaise! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que mon sorcier a partagé ça? Que je dois aller là.
Je dois aller où, moi? Bah. Ok, ouais. Oh, c'est que je suis un dieu. Ça n'a rien de recette. Et je pensais que je venais sauter en bas, j'aurais pas été fait. Ah, là. Ah oui! Bon. J'aurais mieux d'aller de l'autre côté. Ah, là-bas. Juste moi qui comprends pas. Ok. Non, c'est pas, je pense. Pas ça. Yes.
Ok, je comprends. Là, bon. Bonté divine, je suis un dieu. La capsule contient des documents, yes sir. Je sors laquelle est laquelle. Ça m'expliquait. Vous pouvez prendre garde en étant près du robot. Il est très fragile. Le robot, qu'est-ce que c'est? La machine de l'avenir. Oui, monsieur Sansa, c'est le prochain stade de l'évolution. Un jour, de robots comme celui-ci feront le tour de notre place. On nage en plein roman, pas du tout. Observez un prototype fonctionnel. Nous commençons bientôt la production en série. J'ai fondé une société nommée Rur dans cette optique. Et quel est donc le rôle de ce robot? Pour l'instant, il est programmé pour sélectionner et trier les documents. Peu importe, il faut que tu trouves mon certificat. Puis-je utiliser cette machine? Pardon, monsieur Samsa, mais il s'agit d'un appareil délicat. Il faut manipuler avec tendresse. Et je sens cette tension entre vous deux et pas de scientifique. Notre relation est purement professionnelle. Le robot est encore un simple prototype. Il tombe facilement en panne. Je comprends, merci. Ferme ta gueule. Bon, c'est rien. Tu m'as pas aidé. Tu m'as pas aidé, tabarnak. Eh bien, c'est lequel? Comment je peux savoir lequel? Il faut que je fouille pour essayer de trouver. On va pas tous les... Ah tiens, peut-être ça. Ok, le mien, bon. Moi, je sais quoi mon arme déjà. Grégor, 6. E6. Ok, c'est beau. E6. Bon, descend. Deux, trois, quatre, cinq, six. C'est facile. Ah, fuck, je suis pas à six, je pense. Je suis à six? Oui, je suis à six. Peut-être sûr d'avoir eu ce que je cherchais. Ah, ok. Mais qu'est-ce que le Thomas? Je crois que tu dois avoir enjambé ce monstre mécanique. Bon.
Oui, allô? Et on m'a pas vraiment du setback. Je reviens sur mes pas ou je manque? Suivant ma capsule. La capsule est partie par là. Je pense que. Ok, non, elle est partie par là. J'ai vu un poste, donc c'est par ici. Le mode d'acheminement, un document moderne. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Ici, une cage enfuie à la recherche d'un oiseau. C'était tout pour le live du jeu.
Metamorphosis Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!